Ça devrait aller. On met les textes rapides parce qu'apparemment c'est quand même pas mal. Et c'est parti. Le timer qui se lance pas, c'est pas grave ça. Ah non, mais non. Je sais pourquoi. Bon, pas grave. Le timer il est bon. On n'oublie pas, on n'a rien vu. Il y a un tout petit délai, c'est parce que j'ai oublié de corriger ce truc. Merci tout le monde. Pour moi c'est très comédie déjà Alex hein. Le run a à peine de commencer, il y a déjà des trucs qui sont drôles. L'intro par contre ça change pas, c'est toujours la même chose. C'est Black Moxie pour Lost. Mais dès qu'on a le contrôle de Link ça va être différent quoi. Vous avez parlé du comédie marathon. Ah mais ça va être très drôle, Poletto. Pour ceux qui connaissent le run de Minish Cap, c'est vraiment différent. Bon, j'ai oublié d'enlever mon bouton qui me permet de speed up l'émulateur. Donc on va essayer de ne pas y appuyer, involontairement. Ça va être compliqué de pas vouloir y appuyer dessus. Mais... bon, si tout se passe bien, normalement je commence avec un. Ouais, voilà, item sur A, c'est bon. Ouais, on peut pas tout faire, Nook. Hein. Du coup, voilà, on peut créer le sol et complètement skip la partie de la maison. On doit parler au grand-père et tout ça. Là, on skip encore des dialogues avec Zelda. Et par contre, le moment chiant, c'est qu'on peut pas skip le genre de carnaval. J'ai oublié de mettre le timer en blanc. Ah, oui, peut-être, en effet. Oups, merde. Ah, en fait, il est... Mais moi, il était en blanc, en fait, avant que je commence le run. Du coup, dans ma tête, c'était bon. Je suis con. On excuse. Je suis fortement débile. Je vais voir si j'ai le temps de... Si j'ai le temps. Parti pour edit le layout en plein marathon. Hey, ben voilà. C'est plein maintenant. C'est très dur de faire ça avec littéralement deux doigts de bouger une souris. Du coup, on est obligé de prendre le bouclier ici et pouvoir se barrer. Une cutscene. Pas le temps. Voilà. On passe à travers tous les murs, tout ça. Et du coup, Zelda, on va la garder très longtemps avec nous. Ah, ça. C'est un sol où. En fait, il y a du mur. Oups. Non! Ah! Super. Il s'est rien passé, on a rien vu. Je veux juste pas du tout reload la zone parce que je suis con. Parce que du coup, à pouvoir faire du sol, c'est aussi effacer des zones de trigger du jeu, comme je viens de faire, par exemple. Passe. Pardon. Pardon. Et alors. Parce que du coup, là, au milieu de toutes ces herbes, il y a une échelle. Sauf que j'ai écrit par-dessus l'échelle, donc je pouvais pas aller ici, en fait. Donc c'était très débile. Une porte, on recrée le sol par-dessus, et voilà. La merde. Tellement de la merde à faire ça. Pourquoi descendre l'escalier quand tu peux créer du sol. La musique qui se relance, la cinématique qu'on doit déclencher en moment ici. Du coup là on a déjà skip le petit début où on voit Vati qui casse l'épée Minish et qui libère on va dire tous les monstres etc. Et on est déjà là, on va récupérer l'épée.
Ah mais c'est pas fini hein Chopper, c'est pas fini. Zelda on va la garder pendant une bonne trentaine de minutes avec nous. Et quand on se transforme en mini, Zelda aussi, bah c'est concept. Ouais, je garde la princesse avec moi pendant pas mal de temps dans ce run. Oh, je passe par là. Ouais, c'est bien. On a rien vu. Hop. Bon, en soi, j'aurais pu passer par-dessus, mais bon. Alors, au lieu d'équiper l'épée et de casser les branches. Eh hey, mais Zelda nous trace hein, alors qu'on fait des roulades hein, c'est... Zelda c'est ton Pikachu, c'est un peu ça en mode je te suivrai partout. Marche derrière toi. Yes, on a arrêté les branches, équiper l'épée maintenant. Du coup, ce qui veut dire que dans le run je peux équiper des objets que sur le bouton B. Comme j'ai essayé le. Mais qu'est-ce que je fais? Voilà, je parle et je fais n'importe quoi. On va encore abuser un peu de ce truc. Merde, il en manquait. Voilà. Il faut trigger la zone ici en fait, donc au lieu de faire tout le tour, on passe par là. J'ai oublié la route parce que je parle. Tease. Là, il faut qu'on aille encore en bas pour trigger la zone, parce que normalement on arrive en bas. Ça, des fois, avec cutscene, ça va être tout le temps comme ça, en mode on traverse les murs pour ensuite revenir à l'endroit où ça trigger. Yolfa. Comme on a créé du sol là-bas, bah on va le réutiliser pour revenir plus rapidement. Ouais, Poletto, si je quitte une zone et que je reviens, bah comme j'ai fait tout à l'heure, du coup, comme j'ai cassé l'échelle, ça se recharge. Heureusement, parce que sinon ça aurait été fort dommage. On prend cet arbre à mini-niche parce que l'autre il est déjà plus loin et en plus il y a une textbox en plus en mode hey, tu peux te transformer si tu montes dessus. Et voilà, Uvatar il a bien compris comment ça marchait. Du coup voilà qu'on se transforme en mini-niche, Zelda elle est en mode moi j'ai pas envie. Du coup on est tout petit puis elle c'est un titan quoi. Par rapport à nous. Alors lui il faut lui parler par exemple. Pas. D'habitude on met genre 10 minutes pour entrer dans ce donjon. Voilà, 7 minutes 40. Non. C'est mieux. J'utilise un cheat code, on peut pas l'avoir dans le jeu. C'est vrai que c'est pas une vraie run, on va dire une run officielle. C'est chiant, il faut appuyer sur R puis A pour on va dire enregistrer le sol qu'on veut créer. Donc des fois je fais des roulades dans le vent comme un con. Ouais, c'est un peu Luigi Peach. Mais on fait un peu ce qu'on veut. Oula, parce que je vais. Ouais. Okay, merci pour créer du sol. On lève faire ce boss pour récupérer l'item. Sinon on peut pas battre le donjon. Au final, ouais, la run c'est quand même la même chose, c'est faire les 4 donjons pour récupérer les 4 éléments et finir le jeu. Deux cycles. Ça va. C'est resté dans les pattes ça. Bien vu comment j'ai eu du mal à aller chercher le bouton de save. Et ouais, j'utilise l'action et replay. Un vilain tricheur. Je prends un cœur, quoi de safe, dans le loot. Et hop, voilà. C'était la porte de boss. Et toutes les portes, ça va être ça dans le run, tout le temps. Ah, normalement, le donjon, c'est quoi, 17 minutes, là on va faire beaucoup moins. C'est le pire, ça vient après, c'est de plus en plus cassé, hein, plus on avance. Oh,
Bah, c'est pas vraiment tout save time, c'est pour jouer safe là quand même. Très con de mourir sur le premier boss. Non, il n'y a pas de leaderboard sur la catégorie. Le seul run que j'ai vu de cette catégorie date de 3 ans. Et moi, c'est le seul que j'ai réussi à trouver, donc je pense pas que c'est un truc qui soit vraiment run. Du coup, c'est très chiant parce que je dois à chaque fois appuyer sur Start pour changer d'item. Pour plein de boss avait ça à chaque fois. Shiny, c'est Alex. Cube plutôt que réel, on verra après. Et oui, Yashiro. Merci. Du coup, voilà, premier donjon en 11 minutes. Au lieu de 17-18, c'est pas mal. C'est plutôt honnête, ouais. On va quand même jouer safe, hein. Prendre le cœur. Voilà, normalement le mec il censé être poussé sur le côté pour qu'on puisse sortir, mais là on se fait vraiment pousser côté. Sur le côté pour qu'on passe, mais nous on a encore des cutscenes et bah en fait non, pas de cutscenes. Puis alors, moi il faut aller chercher le sac de bombes, mais non. On skip pas mal d'items du coup dans ce run quand même avec ça. Là je sais pas pourquoi la zone de warp se trouve ici aussi, donc, hop, on se barre directement comme ça. Ah, mais Zelda, on va la garder pendant pas mal de temps. Et puis elle est là, elle nous suit. Hein. C'est terminée à nous aider. Alors que normalement, elle est censée être pétrifiée, hein, je le rappelle. Elle est censée être pétrifiée, mais elle nous aide à trouver les 4 éléments. Yashiro, là, j'ai un item qui s'appelle la baguette de feu qui permet de recréer le sol devant moi. Donc. Speedrun, mais pas comme on le tu peux le voir d'habitude. Je pense pas que t'as dû jouer comme ça quand t'as eu le jeu. Ah, personne n'a dû jouer comme ça. Je me rappelle à certains Paper Mario. Je vois pas de qui tu parles, pas du tout un papy qui nous suit dans Paper Mario. C'est parti fun. Normalement, ici il faut les griffes de taupe, mais. Ah oh, dégage toi. Ah dégage. Putain. Bien. J'adore ce jeu. J'adore. Bien c'est qu'on voit rien donc c'est normal. En gros j'ai juste cassé le sol pour aller chercher un coffre avec un fragment rouge. Bien précis. Pour plus tard. Ouais, mais le glitch d'Ocarina, tout le monde peut le faire dans n'importe quelle version, je crois. Non, pas sur la version américaine. Mais celui-là, c'est l'objet que j'ai, c'est un objet. Merde, super. C'est un objet bêta du jeu qui, normalement, tu peux pas avoir accès. Mais avec des cheat codes, tu peux. You explode, you Layla. J'espère que tes shows explosent après. Oh, faut passer en mini-niche, mais. Alors, moi, faut parler aux gardes, montrer qu'on sait faire une spin attack. Relou, hein, pas se mentir. Alors là, par contre, c'est vraiment là où. C'est la zone la plus cassée du jeu, ça. Dans une minute, je suis dans le donjon. Donc, normalement, faut faire plein de détours.
Non. Oh, je suis con. Oh, je suis si con. Oh, frappez-moi. J'ai écrit sur la zone de chargement. Du coup, ben, je peux plus me TP. Y'a pas un truc à casser là. Débile. Forcément, ça m'arrive qu'en marathon, ça. Voilà. J'avoue, les puzzles, ouais, surfait. Hein. Heureusement, quand on recharge les zones, quand même, c'est. Ça remarche. Sinon, j'aurais été bien déçu. Voilà, normalement il faut faire tout le tour pour arriver en haut, mais baguette de fou. Voilà. Et voilà, donjon 2. Salut. J'ai me eu dans le doute. J'ai pris pas mal de dégâts du coup sur les petites boules. J'ai fait mon fail. Ah, il puzzle, ouais, c'est fait pour être cassé, hein, sinon c'est pas drôle. Dégage toi. Je fais damage boost sur le cœur, pourquoi pas. Il faut qu'on prenne juste une clé. C'est chiant à faire celui-là. Parce qu'il faut ensuite faut le faire sur la case d'avant. J'ai mis du temps à le comprendre ça, je crois. Ça ne marche pas. J'en ai raté un. Ça a été très chiant. Ah oui, c'est complètement cassé par ici. C'est vraiment n'importe quoi si t'aimes. Du coup, ça rend très drôle. Encore un item qu'il faut pour battre le boss. Et aussi le boss de fin. Donc. Là. Pourquoi faire pause et équiper la canne quand tu peux faire ça, encore une fois. Là, il faut ramener un genre de wagon pour faire le coup. Et un cœur. Non, là je peux plus du feu, je peux plus le salt. Hop là. Et voilà. Je sais pas combien de temps il a duré ce donjon, mais pour aller au boss, ça a pris genre même pas 2 minutes, je pense. Ça part, hein, la baguette de feu. Hein. Là, tout le monde se souvient du zapping de Marshall. Ce moment. Bon, on est safe ici pour le feu. Je vois quand même des cailloux qui peuvent me tomber dessus ici. Ça a raté ça. On se met dans la safe zone. Bon, du coup les cailloux, j'ai pas l'impression que ça... ça puisse venir ici. Ouais, ah bah c'était un peu ça qu'il avait fait Marshall dans le zapping pour ce moment. Ouais, ce boss c'est littéralement lui. Ouais. Il chie avec son feu lui. Et voilà. C'est Game of Flame, plutôt rapide. Ouais, en fait ce run c'est littéralement un peu de boss rush quoi, tu vois.
Non, parce que le boss il est pas à la même hauteur que nous. Il est au-dessus un peu. C'est pour ça qu'en fait, quand on lui marche dessus, on a la bonne hauteur. Et moi j'avais essayé, et à chaque fois je rentrais. J'étais en dessous de lui, la lame me faisait pas de dégâts. J'étais en dessous de lui donc. Je pense pas. Ils sont yo. Ah non, pas vivement Vati par contre. Parce que là le run se passe bien, c'est facile. Mais il y a le boss de fin, qui n'est pas facile. Parce que je le fais dans de moins bonnes conditions qu'en 1%, et en 1% j'avais déjà du mal. Donc. On s'est poussé encore une fois. On va récupérer l'épée qu'on n'a pas donnée. Elle s'est fait réparer, mais elle s'est téléportée un peu. Si, on ne sait pas trop. Eh bien, si on en crée un troisième là. Si, je vais faire une save parce qu'il y a moyen que ça softlock. Je sais pas si tu peux save pendant que le softlock du coup. Faire save. Des fois tu peux rester stuck sur ça et. Je pense que tu peux quand même save mais bon. Et voilà. Trop rapide, non. Dégage. Là, je vais aller chercher l'arc parce que bah, on a besoin encore pour le boss de fin. Et là, tu vous dites, mais comment il va faire? Il n'a pas les bottes de Pégase. Et bah, dommage. Pas besoin. Merde. Voilà. Eurasia. Non mais. Ah! Donc, je lâche pas le bouton R, hein. Je sais pas pourquoi il fait le roll. Hein. Que je vais moi. Non! Ah! On va pas se bloquer. On va pas se bloquer, j'ai dit. Allez! Ah, on s'en fout de toute façon là, j'y étais. Moïse il sépare tout! Voilà, on pourrait le faire aussi avec la baguette de feu, mais c'est très chiant quoi. Non, c'est en Zelda, elle est là avec nous. Voilà. On récupère l'arc et on se barre. J'ai essayé d'équiper l'arc sur le bouton A, mais le jeu il me remet direct la baguette de feu vu que j'ai toujours le code d'activer. C'est plutôt une bonne chose parce que sinon ça aurait été fin du run si je perds l'item là. Allez, on fait qu'un. Dégage, dégage. Mais là c'est limite par contre celui-là. Genre, ça m'est déjà arrivé de voir reload de la zone parce que j'ai oublié de maintenir le stick. Alors, le fragment rouge c'était pour lui. Ça c'est un truc qui change pas de la run 1%. Il faut qu'on fasse le fragment du bonheur pour avoir le TP ici. Ouais, le marathon c'est toute la journée aujourd'hui et même demain. On a fini demain à. Je sais plus quelle heure. Pardon, mais j'ai oublié. Mais c'est du non-stop. Tout le week-end. Bien, normalement, il faut retrouver la clé de la ferme. Blablabla. Normalement, il faut aussi prendre les bottes de Pégase, aller faire le donjon des marées, ensuite trouver les palmes. Et faire ce donjon-là. Ah, pas comme ça. Hop là. Et hop. Ça c'est normalement le quatrième donjon du jeu, mais pour nous ce sera le troisième. Et hop là. Et regardez, porte de boss. Hop là.
Ce donjon, par contre, c'est vraiment du boss rush. Hein. C'est le donjon le plus rapide du run. Alors que normalement, c'est censé être le plus long. Enfin, du moins, l'un des plus longs. Et l'un des plus durs aussi. Non, mais c'est pas fini, Jobber. Tu vas voir à quel point ce donjon est rapide. C'est un concept, hein. C'est après ce boss là, ce que je fais pour aller à l'autre boss, c'est incroyable. Hein. Et retour de cube, ok. Ah merde. Allez, on a l'électricité, monsieur. Non, il manque rien. Ah, j'ai manqué plus que prévu. D'ailleurs, j'ai toujours l'épée, on va dire, améliorée au niveau 2. Non, je pensais avoir l'épée améliorée au niveau 2, mais j'ai toujours l'épée niveau 2. Moi, j'irai au sanctuaire, après, ça sera drôle aussi. Donc... Je sais pas si c'était plutôt l'autre qui était shiny par rapport à celui-là. Normalement, il est bleu, mais ok. Là c'est normal, et le vert que j'ai battu tout à l'heure c'est plutôt shiny je pense. Ce boss qui va me casser le poignet un jour parce qu'il me mâche assez rapidement. Faire le dodo de temps en temps. D'ailleurs la run de Nook, faut franchement faut regarder. Hein. C'est... Déjà le jeu est très fun, mais alors avec les conditions... Donc celui-là il a un semblant de rouge à lèvres. Donc, là. Je voulais tuer Zelda au lieu de tuer. Ok, ça marche. Yes, maintenant j'ai récupéré l'arme du donjon. Je vais pouvoir faire le boss de ce donjon. J'espère que vous êtes prêts. Et regardez, c'est le boss du donjon. Ce donjon c'est boss rush. Moi quand j'ai vu ça dans le run j'étais mort de rire hein. C'est un concept hein. Ce donjon il est débile quoi. Tu fais le boss, tu prends l'objet, tu fais le boss. Bravo, tu vas gagner. Ceux qui ne connaissent pas, ce boss c'est RNG sur la dernière phase. Est-ce que je vais me faire... Est-ce que je vais me faire niquer ou pas? C'est la question. Là pour le moment sur la même chose. Il aspire, il balance un bloc, il aspire, il en balance deux. Si je pourrais équiper le shield, mais bon, je sais pas trop. En théorie c'est le quatrième donjon ouais, Elias. C'est le quatrième donjon du coup le quatrième boss mais dans ce run c'est le troisième. Ouais bah franchement quand j'avais fait mes notes c'était à peu près ça. Hein. C'était vraiment pas grand chose près. Hein. En mode skip boss d'or. En bas à droite pour le boss. Récupérer item. Boss GG. Et là c'est RNG par contre. Là, boss. Je te déteste, jeu vidéo. Pourquoi tu me donnes la best RNG en marathon sur un run Bon, ça, c'est la best RNG qui t'envoie les 3 boules d'un coup et que tu le tues. Et en run, ça m'est quasiment jamais arrivé. Du coup, je suis content que ça m'arrive en marathon et en run, on va dire non officiel. Je se fous de moi. Donc voilà, 3 donjons en 30 minutes. Il reste un donjon et le, on va dire, château final. Peut-être mon estimate est un peu élevé. Et après, il y a le boss de fin où je peux facilement mourir.
Ouais, c'est un peu ça explose. Le jeu il savait, du coup il va rigoler un petit peu. Non mais. Ah oui, ça c'est trop bien, genre. Juste ici le sol n'existe pas, tu peux le créer mais tu ne le verras pas. Ouais non, faut. Boss de fin c'est le même mais je le fais dans moins bonnes conditions. J'aurai un cœur de moins et normalement il. Bah normalement t'as les deux boutons, tu peux utiliser comme tu veux. Et bah là j'ai la baguette, ça va être chiant. Tu rentres à quelle heure toi donc déjà c'est. Je sais que c'est dimanche matin mais je connais plus l'heure exacte. Là on va avoir deux fois la cutscene du sanctuaire, j'espère que vous êtes prêts. Hein. 9h30, ah oui ouais bon, je pense pas que tu devras te lever à 8h non plus mais... Waouh, le sanctuaire, incroyable. Ce qui est chiant c'est quoi, comme le jeu il est, t'es pas censé en passer, on va dire l'épée niveau 1 à l'épée niveau 3, bah faire 2 plus 3. Genre là on a un élément qui de l'eau dans notre poche mais il veut pas sortir. Ça marche Ilias, merci d'être passé, à une prochaine fois. Ouais, trop bien, maintenant on peut faire un double de soi. J'ai de le faire ça par contre, la première fois. Waouh, c'est moi, yes, un nom. Pour sortir, normalement il faut créer des doubles, mais bon, je pense qu'à force vous avez compris. Hein. Yes, l'épée niveau 2, tu m'auras très très utile. T'oublieras pas. C'est bientôt la fin de Zelda. On va arrêter de nous suivre bientôt. On aura fait 3 donjons avec nous, c'est pas mal. On va faire les deux derniers tout seul. Si, il faut skip une cutscene maintenant. Je crois qu'on passera ici, il faudra faire ça. Ouais, je vais plutôt encore aller à droite, on sait jamais. Là, comme on passe ici, bah du coup on a à nouveau la cutscene de Zelda en mode hé, viens avec moi au carnaval. C'est sûr, je sais ce que c'est. Et ah dommage. Elle nous suit plus parce que bah on se TP. Ah bah là des roulades dans le jeu il y en a tout le temps. Alors là par contre c'est vraiment bizarre, c'est que la première on va dire garde qui bloque les escaliers, on peut la skip mais pas la deuxième. J'ai du parallèle pour qu'elle nous dise ok, je vais te laisser passer. Donc en fait on peut faire la même chose et monter dans l'escalier comme ça, mais au retour elle va nous bloquer la deuxième et pas la première. C'est vraiment pas pourquoi. Et heureusement d'ailleurs parce que sinon ça rendrait le run impossible. Enfin, beaucoup plus long. Le donjon il va bien être cassé hein, comme tous les autres de toute façon. Je vais attendre que le truc nous y emmène. Il y a du temps comme ça. Hey moteux, comment ça va?
bizarre, hein. Pourquoi créer des doubles quand tu peux créer du sol, en fait, hein. Voilà, hop. Là, il y a un bonsaï de merde. Ah bah super, au moins on aura le boss. Plutôt bien. Avant ce boss, on le fait plutôt rapidement avec des bombes. Et on prend pas les bombes dans ce rush. Yeah, c'est un rubis. C'est le premier rubis de la run. Non, pour moi ça se bat vraiment bien, Kev. J'ai peur pour la fin, mais non, ça va. Ce qui est bien, c'est que leur spawn est RNG aussi, assez. Petit magicien après leur premier spawn. Là, ça va, ça allait, Kev. Ah, c'était limite, ça, je le savais. Bonjour, mes débiles. Donc ouais, ce donjon c'est plein d'allers-retours pour arriver à un endroit juste à côté généralement. Donc on donne ça comme item et pas de soucis. Ah mais tous les donjons sont cassés, Pedro. C'est pas le premier, c'est pas le dernier. Il en reste encore un après celui-là. Et regardez une porte de boss. Bon, par contre, pour les teammates, en fait, si boss de fin se passe très bien, je vais être beaucoup trop devant. C'est sur B, voilà. Je fais pas des ronds-bois. J'atteins juste les zones de chargement plus rapidement. Parce que si elles sont là et que je peux les atteindre avec la cape et la baguette de jeu, bah, oui bah ça va vite, hein, Flo, là, avec ce run. Tu blink, tu rates un donjon. Oh bah deux cœurs, ça fait mal, ça. J'aimerais être... Ce serait bien si je pensais à esquiver les attaques un peu. Et que ça faisait super mal, ce truc. On atteint la partie chiante du boss. Où on doit créer des doubles et... Pardon. J'ai pas... On doit esquiver ça et taper. Ouais, taper directement. Moi j'ai pas le temps de prendre des blagues. Ouais, contre la bonne blague, c'est que je meurs sur ce boss. Ah, il lui manquait un coup d'épée. Sérieux, le jeu? Non, si, c'est une bonne blague. Bon, si vous pensez que ce boss est assez chiant parce que je vais équiper l'épée et la cape et tout le temps comme ça, vous avez pas vu les derniers boss. Ouais, pourquoi ce boss c'est chiant. C'est pas jouable. La baguette sur A, je l'ai eu en lisant un cheat code. Du coup c'est ça qui me permet de faire casse le jeu. Je peux pas, vu que j'ai toujours le code activé, je peux pas l'enlever en fait. Non, ça devrait aller pour les deux. La partie dure du boss est passée. Voilà.
Bon, il me reste 30 minutes sur l'estimate. Il me restera pas 30 minutes de run. Hein. Si elle ne meurt jamais, il revient toujours plus fort. Et oui. Bah, sur émulateur, ouais, il y a une action replay, Pedro. Ah, c'est pas vraiment action replay, moi, c'est pour des codes, quoi. Et je suis, franchement, je suis étonné, ça se passe vraiment bien quand même. Donc, c'est là où on doit, c'est pour ça qu'on doit descendre du coup. Deuxième garde, parce que sinon là on reste bloqué à l'infini aux escaliers. Et elle, par contre, bah, on peut faire ça. Alors que l'autre, on peut pas quoi. Du coup, je sais pas. D'ailleurs, on a encore ça, mais. Oh, j'ai mis le stick en haut à gauche quand même. Hein. Faire une roulade en bas et partir à droite. Faut qu'on s'habitue. Je me gêne. Ouais, j'ai un petit peu triché, c'est possible. Et voilà. La suicide réduction pour le. Ah, faudrait qu'on se mette d'accord pour les taux alors. Là, je dois refaire ça, puisqu'il y a toujours une cutscene à skip. Oh, on va aller un peu plus en haut. Comme je disais, oh. Hop. C'est pas grave, ça passe. Le moment que j'ai pas trigger le fight et la cutscene. Oui, mais le run de base est pas legit de me. J'utilise un code quoi, mais. C'est pas moi qui ai fait les règles, hein. Moi je dis oui, d'accord. Je fais. Si c'est pas legit, mais tu peux le faire, je dis allez. La roulade. Non mais, pose l'épée. Waouh, l'épée qui brille. Ah oui, le run comme ça est vachement drôle, hein. Je pense qu'à regarder ça doit être assez drôle, mais en tout cas, moi je m'amuse bien à le faire. Donc voilà, normalement ici on est à peu près à 1h20, 1h30 de run. Hein. Enfin, du moins sur mon PB. Et ouais. Donc, c'est cassé un peu, ça fait gagner du temps cet item. C'est pas mal. C'est à moitié du cheater marathon, comédie marathon, c'est pas trop. Toujours une cutscene. La même cutscene que j'ai un 3 avec ses. Avec cette image en plus. Oh mon dieu, non! Et c'est qui lui? Vous savez qui c'est? Moi je sais pas qui c'est lui. Hein. On l'a jamais vu dans le run. Hein. Le mec qui nous arrive, il nous balance une boule dans la gueule. Super, hein! La spécialité des gens. Imagine, t'es là, tu regardes des monuments et paf, on envoie une boule dans la gueule par un mec que tu connais même pas. Ça passe, jeu, hein! Garde qui bloque la porte. Alors, hein. Bon, ce donjon, normalement, il est vachement long. Il faut récupérer 4 clés pour aller chercher la boss qui laissait la chanson. Ah, il en manque un. Et hop, on passe dans les murs. Thank you.
Non mais... Du coup j'ai eu de la chance, ils ont pas dû m'embêter eux. Et voilà. Là on part sur le boss de fin. Ouais donc mon estimate était beaucoup trop élevé. Hein. Après, je peux facilement mourir sur le boss de fin. Parce que là, les fights ils sont durs avec un seul... Seul item. Non, c'est la baguette de feu en fait, elle existe, mais tu peux pas l'avoir dans le jeu en fait. Tu peux l'avoir qu'avec les cheat codes et même elle est vraiment pas bien. Elle était pas prête pour le jeu quoi, parce que vu que tu peux créer du sol, je pense pas que c'était leur intention de base de faire ça. Ce fight c'est de la merde. Normalement j'ai la cape, je saute par dessus et je les frappe. Et, là je n'ai pas la cape. Je peux pas l'équiper ou alors je dois enlever l'épée. C'est chiant. Arrêtez de me pousser. Yes, un coquillage. J'avais tellement besoin. Un tout petit peu plus rapide, lui j'aurais pu le stun lock comme je viens de faire à l'instant. Ok, le fight était vraiment bien. Il était un petit peu slow au début mais... Safe. J'ai essayé mais comme c'est un escalier tu peux pas corriger le jeu en mettant des blocs sur la porte passer. Sur les escaliers c'est... ça, c'est... tu montes, pas la même hauteur, tu peux pas essayer de corriger le jeu comme ça. Pas la cape, mais ouais on a un joli chapeau. Ah non c'est pas Ganon là, même s'il est très moche il pourrait ressembler à Ganon. Vraiment moche comme ça fait. J'avoue Zelda est pétrifié, on se bat contre quelqu'un, on sait pas qui c'est. Je vais défoncer aussi. Normalement il est pas censé faire ses attaques de flamme. Les méga évolutions, ouais. C'est un peu changé. Il fait chier avec ses flammes parce que ça fait très mal et du bruit. Oula, fait des... Ah, ça c'est pas vraiment une fée. Hein. Après, je le tape. Et dans cet état-là où je peux le taper. Non, je suis là pour moi. Je vais faire ça d'abord. Ah là, là. Non mais... Eh, je l'ai tapé en vrai. En vrai j'étais sous fond. Arrête de me brûler. Sûr qu'il manque genre pas grand chose en plus. Ah, il manquait un coup d'épée. Ça m'arrive à chaque fois ça. Ça, c'est un bon boss de merde aussi. Déjà, on doit prendre l'arc pour ce boss. On l'utilise dans le run. Tu travailles ou fais tes bonnes blagues? Non. Ah, ça a touché. Ah ok. Je crois que j'ai raté le 3-6. On va avoir la petite surprise. Désolé, j'ai le plus. Non, arrête, arrête de me pousser, laisse-moi te tuer s'il te plaît. Pas cool. Après tout, c'est quoi la mort? Ah, je suis vert, mon dieu.
On a un chat de qualité aujourd'hui. Tu peux arrêter de bouger et arrête d'aller en bas. Arrête. Moi je veux juste te taper. Alors, il est sympa ce jeu, hein. Trop sympa, hein. Oh, s'éclate. Ça m'inspire des trucs. Bonne blague. Arrête les. Au secours. Ça va vous sinon dans le chat, vous amusez bien? Moi j'essaye hein, mais ok c'est bon, j'ai réussi à le avoir en 3 cycles, même si le dernier cycle c'est pas très fun hein. Je vais taper dans l'œil. Ah c'est, ça devient compliqué là. C'est compliqué le chat. Surtout quand Marshall fait des blagues. Ah ce boss ouais il est vraiment chiant à combattre. À toi aussi. Ouais, retour de Zelda mais pas pendant le fight. Oh non, ce n'est pas fini. Ouais, des cailloux qui bloquent le passage et... Ah, c'est le mauvais jeu ça aussi. Pardon, excuse-moi, désolé, je n'ai pas dû toucher ton bras en fait, c'est un mensonge. Vous avez vu, ça c'est plutôt facile, drop-moi un cœur. Premier bras à casser est plutôt facile, faut juste taper avec les pieds. Deuxième bras c'est pas la même chose. Là ça va être le sel là. Et regardez, on voit rien. Et j'ai qu'un seul bouton sur les deux. Donc là, il faut que je trouve le bon et que j'arrive à le taper comme je peux. Voilà, comme ça. Si vous voyez rien, d'accord. Donc là, c'est la partie anti-fun. Et à force, tu peux pas rester trop longtemps parce qu'à force, je te dégage du bras. Voilà. Du coup on s'amuse. Ouais c'est vraiment la partie chiante de, on va dire, du run ça. C'est pire que c'est celle. Marche à le pied. Ah ok, il lui manquait pas grand chose. Je fais juste s'il n'y a pas un cœur pour que je sais. Partie chiante est passée, maintenant voilà. Mais qui te rend... Ouais, c'est un concept. En créer plein, de toute façon. Ça me fait. Ouais, d'ailleurs, quand je crée des trucs comme ça, les genres dalles lumineuses, là, ça marche vraiment. Je crée du sol qui marche. Ah! Non, mais non, vu que j'ai le cheat code d'activer, ça c'est permanent en fait. Et Marshall, t'as raté ton run ou quoi? Marshall, il a pas regardé. J'ai tellement le mauvais pattern à chaque fois, c'est incroyable. Hein. Va-t-il y arriver? Arrêtez avec vos jeux de mots.
Avantage Link. 45. Ah oui, bah vas-y, place-toi dans le mur. Ouais. On sent en bleu, mais c'est pas grave. Bon, bah les teammates, il était trop élevé. Mais ça va. C'est vraiment un boss très nul par contre à faire. Hein. Merci tout le monde. Seulement à 6 minutes du record du monde. 48-59. Ouais, c'est à peu près 6 minutes 30 de derrière. Voilà, c'était Minish Cap Fire Road. Où le jeu est complètement cassé. C'est ce qui sauve carrément une heure par rapport au run de base. Ce qui est plutôt honnête quand même. Pouvoir faire des OOB partout. GG. Hey Shopee, t'as eu un peu chaud. Oui. On va pas se mentir, j'ai eu un petit peu chaud. C'était complètement cassé cette catégorie. Ah c'est fun en tout cas. Mais moi aussi quand j'ai regardé le run pour la prendre, j'étais en mode ah d'accord, on fait comme ça. L'histoire elle veut plus rien dire, y a plus aucun sens. Mais c'est fun.